La compagnie ivoirienne d'électricité, Compagnie, a fait savoir à travers une note ce qui a conduit à la coupure de courant le jeudi 28 avril 2022 dans certaines zones d'Abidjan. Les Abidjanais ont été surpris de la coupure soudaine d'électricité au lendemain de la nuit du destin. Et pire, dans la soirée. Une coupure qui a duré pratiquement une trentaine de minutes. À Yopougon, plusieurs quartiers de la commune ont été impactés. Quand on sait le nombre d'espaces de loisirs qui est pullulant. Mais plusieurs gérants de ces espaces ont su pallier à ce manque de courant avec l'utilisation de groupes électrogènes ou de l'énergie solaire. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes en Côte d'Ivoire ont indiqué être dans l'obscurité. En dehors de Yopougon. Engrais à Cocody, Bouaflé, Bouaké pour ne citer que ces localités ont vécu cette rupture momentanée de fourniture d'électricité. La compagnie présente ses excuses pour les désagréments. La compagnie a automatiquement réagi face à cette sombre réalité. Elle évoque une perturbation. Perturbation de la fourniture de l'électricité dans certaines communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Reprise en cours, équipe mobilisée. La compagnie présente ses excuses pour les désagréments, a informé la direction de la société. Cette situation a également donné des idées aux Ivoiriens. Au-delà de la colère et de l'énervement qu'ont ressenti certains habitants, d'autres par contre plus pessimistes ont eu la peur au ventre. Craignant une opération militaire. Pour d'autres encore, cela a été un sujet de plaisanterie. Et surtout des plaisanteries qui avaient pour cible la compagnie. La machine censée pallier aux coupures d'électricité. En passant, il faut rappeler qu'à la date du vendredi 23 avril 2021, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie d'alors, Thomas Camara, avait annoncé une fin de ces coupures de courant intempestives. Pour cela, il avait annoncé la construction d'une grosse machine qui permettra la production d'électricité. Lire aussi Côte d'Ivoire fin du rationnement, les acteurs du secteur de l'énergie félicités par le ministre Thomas Camara. Cette machine devait être active en août 2021. Elle contribuera à apporter la production supplémentaire dans l'équilibre offre-demande. Cela permettra de régler définitivement tous les incidents que nous rencontrons ça et là compte tenu de la situation du moment et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture, avait rassuré Thomas Camara.